Donc, Andreas, Lynn et Chloé, l'heure est arrivée. Alors, je vous demande d'accueillir deux gagnantes de prodiges. Camille Berthollet, qui a remporté la première saison, et Roxane, notre gagnante de la quatrième saison. Venez nous retrouver. Et dans cette enveloppe, c'est l'un de vos prénoms qui est à l'intérieur, le titre du prodige 2018. Alors, je voulais simplement vous dire à tous les trois, et puis à tous vos copains qui sont dans les coulisses, que j'étais vraiment bouleversée de vous avoir rencontrés. En tant que journaliste, en tant que maman, en tant que femme, je suis très fière de vous connaître. Vous m'avez bouleversée, vous m'avez chamboulée. Ma vie, elle n'est plus exactement pareille après ces quelques jours avec vous. Je vous le dis du fond du cœur. Et puis pour ceux qui nous regardent, la musique, elle pense les plaies. Et où que vous soyez, la musique, elle nous aide à nous épanouir. Alors si vous êtes un enfant, que vous regardez l'émission ce soir, ou si vous avez des enfants, des petits-enfants, sachez que, ben voilà, en France, on a un réseau incroyable de conservatoires. Alors inscrivez-vous, soutenez-les, ouvrez-leur les portes. Et moi, je voudrais vous remercier du fond du cœur de m'avoir ouvert votre porte ce soir. Merci beaucoup. Je suis très fière de vous connaître. Alors je vais ouvrir cette enveloppe. Le prodige de l'année 2018 est attribué à Andreas. Félicitations, Andreas.